Hello, alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière journée au Grand Bornand, toujours le petit soleil couchant, un truc de fou. Il y a Daniel qui filme mon décollage. Allez. Regarde, c'est même éclairé assez bas hein, dans la vallée. Dans la vallée. Flam 11, Rapidus 11. Booyah. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elles puissent nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous dégorger d'hydromel pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Dana. Quelques incantations de druides et de magie, toute attribue le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui est